Salut Dorian, ça va? Salut. Tu fais quoi? Je suis sur la page Ose les mobilités durables. Il y a une publication qui dit que bouger 30 minutes par jour réduirait la mortalité de 30%. 30%? Personnellement, moins je bouge, mieux je me porte. Ouais, bon, c'est quand même en utilisant tes muscles que tu rends ton corps plus résistant. Tu crois? Bah oui, enfin je te parle des muscles internes, hein, le muscle cardiaque, le diaphragme. Le dia quoi? C'est un muscle, le diaphragme, qui permet à tes poumons de se gonfler, de se dégonfler. Donc très important pour l'oxygénation du corps. Ok, tu peux m'en dire plus? Ouais, j'ai une expérience si tu veux, bouge pas. T'as besoin d'aide? Ah non, non, je t'apporte Attends, juste ça. Je vais bouger l'ordi. Ouais. Hop, et encore un truc. D'accord. De la grenadine pour mes trois petits cochons. Donc à quoi ça sert tout ça? Eh ben, on va mesurer notre capacité respiratoire. En fait, ça c'est des bouteilles de 5 litres. J'ai mis de la grenadine dedans pour qu'on voit mieux. Et le but, ça va être de vider la bouteille. En fonction de l'air qu'on arrivera à mettre dedans, on saura combien d'air on a dans nos poumons, notre capacité pulmonaire. Alors regarde, je vais mettre la bouteille là, hop, chacun de vous va avoir un tuyau, ça va être un tuyau, hop, j'enlève le bouchon, tu me passes le tuyau. Donc, on va inspirer par le nez, lentement, et ensuite, on va essayer de vider le plus possible nos poumons. D'accord. Et on verra le résultat. Ok. C'est parti. 1, 2, 3. Je vois que tu as plus de souffle que moi. Oui, après, je te rassure, la capacité pulmonaire, ça peut varier d'un individu à l'autre, en fonction de l'âge ou de la taille, par exemple. Ce qui est sûr, c'est qu'en faisant de l'activité physique régulièrement, ça fait fonctionner nos muscles de la respiration, comme le diaphragme, et ça nous maintient en bonne santé. Et moi, ça me fait une bonne raison de réparer mon vélo. Oui, par exemple. Et moi, je devrais peut-être commencer à aller à la boulangerie à pied. Ok, bah, on peut faire ça, et puis on se revoit dans un mois, et on refait l'expérience. Ah ouais, ça serait un bon défi, ça. Ok, deal. Thank you.